L'histoire des Templiers, Jacques de Molay, Hugues de Pin, et leur lien potentiel avec des mystères comme celui du trésor d'Oakisland, est l'une des plus captivantes et énigmatiques de l'histoire. Voici mon récit détaillé. Hugues de Pin, le fondateur des Templiers. Hugues de Pin, vers 1070 à 1136, chevalier champenois, est le fondateur et premier grand maître de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, connu sous le nom d'ordre des Templiers. L'idée de cet ordre prend forme en 1119, après la première croisade, 1096 à 1099, alors que la Terre Sainte est en proie à l'insécurité. Hugues, avec 8 autres chevaliers, propose à Baudouin II, roi de Jérusalem, de protéger les pèlerins sur les routes menant au lieu saint. Leur quartier général est établi sur le mont du Temple, à Jérusalem, d'où leur nom. Ils adoptent une règle inspirée des moines cisterciens sous l'influence de Bernard de Clairvaux, grand réformateur religieux. La montée en puissance. Les Templiers évoluent rapidement. Ils ne sont pas seulement des guerriers, mais aussi des moines. Leurs vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance ne les empêchent pas de devenir l'un des ordres les plus riches du Moyen Âge. Grâce à des dons, des privilèges papaux et une organisation efficace, ils gèrent des domaines agricoles, construisent des forteresses et deviennent les banquiers des rois et des nobles. Jacques de Molay. Le dernier grand maître. La vie de Jacques de Molay. Jacques de Molay, vers 1243 à 1314, est originaire de Bourgogne. Il entre dans l'ordre des Templiers à une époque où celui-ci atteint son apogée. En 1292, il devient le 23e et dernier grand maître. Sous sa direction, les Templiers doivent faire face à des défis immenses. La perte des territoires en Terre Sainte après la chute d'Acre en 1291 et une réorganisation nécessaire pour maintenir leur pouvoir en Europe. La chute des Templiers. Le roi Philippe le Bel de France, endetté auprès des Templiers, voit dans leur richesse une opportunité. En 1307, avec le soutien du pape Clément V, il organise une arrestation massive des Templiers en France. Jacques de Molay est capturé et accusé d'hérésie, de sorcellerie et d'idolâtrie. Ces accusations servent à justifier la confiscation de leurs biens. Après un procès long et controversé, Jacques de Molay est brûlé vif à Paris en 1314. Selon la légende, il aurait maudit le pape et le roi avant de mourir, prophétisant leur mort prochaine, une prédiction qui s'est réalisée. Clément V. Le pape de la disparition des Templiers. Clément V, 1264 à 1314, cimetière de Uzestn et Bertrand de Gaute, est un pape français manipulé par Philippe le Bel. Son pontificat est marqué par la crise des Templiers. En 1312, lors du Concile de Vienne, il dissout officiellement l'ordre, mais l'existence de trésors ou de documents secrets liés aux Templiers continue d'alimenter des spéculations. Les légendes et mystères historiques. Le trésor des Templiers. Le trésor des Templiers. L'une des plus grandes énigmes liées aux Templiers est la disparition de leurs supposés trésors. Avant leur arrestation en 1307, de nombreux récits rapportent que des cargaisons ont été secrètement transportées depuis Paris. Ce trésor pourrait inclure de l'or, des reliques sacrées comme le Saint Graal ou des manuscrits secrets. Le mystère d'Oakisland. Oakisland, en Nouvelle-Écosse, est célèbre pour son « puits de l'argent », une fosse mystérieuse qui intrigue les chercheurs depuis le XVIIIe siècle. Certains pensent que les Templiers y auraient caché leurs trésors. La théorie repose sur des indices tels que des symboles maçonniques sur l'île et des récits reliant les Templiers aux explorations européennes précolombiennes. Je reviendrai sur une autre vidéo, je suis cela de très près. Les héritages et les anecdotes. La malédiction des Templiers. La mort rapide de Clément V et de Philippe le Bel peu après celle de Jacques de Molay a renforcé l'aura de mystère autour de l'ordre. L'énigme des reliques. Les Templiers étaient soupçonnés de posséder la tête de Saint Jean-Baptiste ou d'autres reliques sacrées, ajoutant à leur réputation de gardiens de secrets. Influence maçonnique. Plusieurs sociétés secrètes, dont les francs-maçons, revendiquent une filiation avec les Templiers, perpétuant leur légende. Les Templiers dans l'imaginaire collectif. Les Templiers, par leur richesse, leur chute spectaculaire et leur lien avec des mystères historiques, continuent de fasciner.
Qu'il s'agisse des origines de l'ordre, du procès de Jacques de Molay, ou des énigmes comme le trésor d'Oak Island, ces histoires offrent une combinaison de faits historiques et de spéculations intrigantes. Leur héritage réside dans le mythe qu'ils incarnent. Celui de chevaliers moines, détenteurs de secrets qui pourraient encore être enfouis quelque part, attendant d'être découverts. Le mystère du trésor d'Oak Island en Nouvelle-Écosse est l'un des récits les plus fascinants liés aux légendes des Templiers. L'idée qu'un trésor extraordinaire pourrait être caché sur cette petite île alimente la quête d'archéologues, d'explorateurs et de passionnés depuis plus de deux siècles. Je reviendrai avec une autre vidéo pour en parler plus en détail sur le trésor. Je suis celle-là de très près depuis des années un aboutissement en vue.